Un grand merci pour votre fidélité. Le thème choisi pour vous aujourd'hui, j'ai peur de la volonté de Dieu. Je me souviens que tout jeune chrétien, j'avais peur de la volonté de Dieu, car je me demandais, j'avais ma conception de Dieu qui n'était pas encore bien fixée, bien construite, je ne connaissais pas encore... La parole de Dieu, mais j'avais mon imagination et je pensais que Dieu pouvait me demander ou allait me demander de faire des choses que je ne voulais pas faire et il m'enverrait certainement là où je ne voudrais surtout pas aller. Alors j'ai avancé, j'ai prié, j'ai pris confiance dans le Seigneur et puis j'ai dit Seigneur, oui, je suis d'accord d'aller partout où tu veux, mais, mais juste là, je ne veux pas aller. Voyez-vous, j'avais cette crainte au fond de moi que la volonté de Dieu pour ma vie serait finalement et inévitablement des renoncements, de la souffrance, euh, de l'isolement et, et des choses qui allaient briser tous mes rêves de jeune que j'avais à l'époque. J'avais oublié et je ne connaissais pas encore cette parole de, de Romains chapitre, chapitre 12 et le verset, le verset 2 où il est dit que la volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Bonne, parfaite et agréable. La volonté de Dieu ne doit pas nous faire peur. Je pense également à, à une personne ou l'autre qui ne veut même pas venir à l'église pour entendre le message occulte, parce qu'elle sait que si je vais dans cette église, Dieu va me parler. Et peut-être qu'il me dira des choses que je n'ai pas envie d'entendre parce que je ne veux pas changer ma vie. Voyez-vous, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église par peur de ne pas d'être remis en question. Ils ont peur que leur vie pourrait changer qui devraient se remettre en question pour que leur vie devienne conforme à la volonté de Dieu. Oui, n'ayons pas peur de la volonté de Dieu. Elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, eh bien, elle elle amène, elle apporte un accomplissement de vie. Elle amène inévitablement le bonheur. Elle nous donne cette assurance que vraiment Dieu approuve ma vie. Elle nous donne un sens à notre vie. La volonté de Dieu donne une utilité à notre vie nous sommes au centre de sa volonté nous avons des forces nous avons des ressources et je ne peux que vous inviter à ne pas craindre à ne pas avoir peur de la volonté de dieu il ne va pas briser vos rêves il ne va pas vous vous réduire votre énergie de vie il ne va pas vous demander des sacrifices incroyables même si quelquefois il y a des sacrifices à consentir mais dans les points que je vais énumérer dans quelques instants vous allez voir que Lorsque Dieu demande quelque chose, il nous donnera toujours ses ressources à lui, car nos ressources à nous ne suffiront pas. Il faut des ressources surnaturelles par le Saint-Esprit pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons cette volonté de Dieu, eh bien, la vie explose littéralement, la vie se démultiplie et nous avons euh, nous portons véritablement du fruit. Comment maintenant découvrir sa volonté Alors que nous voulons éliminer la peur en connaissant Dieu. Une mauvaise image de Dieu crée la crainte, la peur. Et ceci est inutile. Mais en connaissant davantage, en découvrant Bible en main qui est le Seigneur, nous allons forcément aimer ce que Dieu aime et nous allons aussi haïr ce que Dieu est. Nous allons nous éloigner de ce que Dieu ne veut pas pour notre vie. Quelques points pour cela. La première chose, pour connaître la volonté de Dieu, c'est que nous devons être d'accord de lui obéir. Et pour cela, il faut apprendre à distinguer notre pensée de la pensée de Dieu. Lorsque nous sommes en contact avec cette parole et, 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 et plusieurs livres bibliques et plusieurs auteurs bibliques nous, nous demandent de la lire, de la méditer jour et nuit, etc., et bien lorsque cette parole est de plus en plus intégrée et chère à notre cœur, Lorsque quotidiennement nous sommes en contact, eh bien, nous allons forcément nous habituer à entendre la voix de Dieu qui parle au travers de ce livre. Nous allons faire la distinction entre nos idées et la pensée de Dieu. J'entends des personnes qui me disent oui, mais j'ai eu un rêve, je crois que Dieu veut me parler. Dieu ne nous parle pas prioritairement par des rêves, ça peut être une confirmation éventuellement, mais prioritairement, il nous parle par son livre, par sa parole. Et nous devons être d'accord d'abord de mettre en pratique cette parole et d'obéir à cette parole pour donner suite à cette parole. Deuxièmement, après avoir dit oui au Seigneur, après avoir donné notre ok pour cette volonté de Dieu que je découvre dans son livre, eh bien, je vais commencer à faire quelque chose. Fais ce que ta main trouve à faire. Commence quelque part. Et en commençant quelque part, en faisant quelque chose, eh bien, les dons vont émerger. Je vais voir là où je suis bon, là où je suis fort, là où ça réussit, là où je suis à l'aise, là où j'aime, et puis les choses où je suis moins à l'aise, et laisser ça aux autres parce que eh bien, nous sommes complémentaires. D'autres font bien ce que vous n'arrivez pas bien à faire. Nous sommes dans une communauté complémentaire. Dans le corps de Christ, nous sommes complémentaires. Mais commencez à faire quelque chose. Découvrez vos dons, découvrez la volonté de Dieu. Pour votre vie, en faisant, en commençant quelque part. Fais ce que ta main découvre, euh, ce que ta main trouve à faire et découvre de plus en plus la volonté de Dieu dans ta vie. Troisièmement, Dieu te donne toujours les moyens pour accomplir sa volonté. Dieu rajoute ses moyens surnaturels pour que nous puissions faire sa volonté. C'est comme un enfant qui reçoit un nouveau jouet, mais pour que ce jouet fonctionne, il faut inclure des batteries. Il faut mettre les batteries et ensuite le jouet fonctionne. Je prends une image très simple, mais Dieu désire mettre son énergie, sa grâce, sa puissance et l'onction du Saint-Esprit sur le don que vous avez, afin que ce don porte du fruit et que son nom seul soit glorifié au travers de votre don. Donc Dieu donne toujours ses moyens pour faire ce qu'il demande. Car chacun de nous, nous avons reçu des dons. Ne dites jamais ⁇ je n'ai rien reçu ⁇ car vous avez reçu un, deux, trois, plusieurs dons. Vous avez tous reçu quelque chose et Dieu nous demande de l'utiliser pour sa gloire et pour le bien de la communauté. Quatrième et dernier point, sois fidèle dans ce que tu as reçu. Dieu demande des comptes aux choses, par rapport aux choses qu'il nous a confiées. C'est la, la parabole des talents. Eh bien, chacun avait reçu dans cette parabole un talent, deux talents, cinq talents, dix, eh bien, chacun devait, à un moment donné, rendre compte et rapporter le bénéfice de ses talents. De même, nous avons des comptes à rendre et nous devons faire fructifier les dons que Dieu a investis dans notre vie, simplement. Donc, sois fidèle dans ce que tu as reçu. Je pense à cette personne qui avait plus de 60 ans et qui me dit, je ne, je ne trouve pas ce que Dieu veut pour ma vie. Mais je lui ai dit, mais... Comment ça se fait que depuis 60 ans, tu ne trouves toujours pas ce que Dieu veut dans ta vie Tu as des dons, tu as, tu as des aptitudes, tu as des choses. Fais quelque chose et tu trouveras facilement ton chemin. N'attendez pas 60 ans pour commencer à faire quelque chose pour Dieu. Investissez votre vie dès aujourd'hui afin qu'elle soit utile et que Dieu puisse vous utiliser et vous bénir. Ainsi encore, formez-vous en permanence, aimez l'appel qui est sur votre vie. N'ayez pas peur. De la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite et ce sera un accomplissement merveilleux pour votre vie. Je rappelle ces quatre points: le oui de l'obéissance, ensuite, commencez quelque part, faites confiance, le Seigneur va ajouter sa mesure à votre don, il va mettre sa main sur votre main, il va être derrière vous et ensuite, eh bien, soyez fidèles dans ce qu'il vous a demandé. Bon vent, bon courage. C'est parti pour servir avec les dons que vous avez reçus. À bientôt!